en bas, devant, en haut, derrière, plus vite. Et un, deux. J'enseigne dans le jazz, je vais aussi enseigner le contemporain et il y a une section world dance et je vais enseigner l'afro. Et un, deux, trois, quatre, un, deux, deux côtés à gauche. Les grands ballets canadiens ont choisi ces cours-là parce que je pense qu'ils veulent attirer un plus grand public. Et c'est une bonne idée parce qu'il y a un manque à Montréal d'avoir une place où est-ce qu'on pourrait avoir des cours à plusieurs heures dans la journée et différents styles. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à New York et ici on l'a pas, donc je pense que c'est super. J'espère que les grands ballets vont comme on eu cette idée-là. C'est bon. Et pousse. Il ne faut pas nécessairement savoir danser du tout. Mon but, c'est justement d'apporter quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et de cette façon-là, moi, je suis là pour ça. Pour montrer les bases, pour démontrer, pas vous amener ailleurs. Matin, il y a des cours le midi, il y a des cours le soir, il y en a toute la semaine, du lundi au vendredi, il y en a aussi le samedi. Donc, il y a vraiment une grande variété. C'est relax. Là, on va ajouter la petite levée, là. Je veux pas que tout d'un coup, ça fasse. Yeah! Yeah! On continue! Ouais. J'aime beaucoup découvrir la personnalité des gens. Et le meilleur moyen de le faire, c'est pas toujours d'avoir les affaires les plus compliquées, mais de faire quelque chose qui est accessible de manière à ce que les gens puissent découvrir leur voix. Quand on s'exprime, on a chacun notre façon de voir les choses, de dire les choses. Après mon cours, on se sent vraiment fatigué, mais avec beaucoup d'énergie.